So first of all, could you just introduce yourself to the camera, your name and what you do? Yes. My name is Radha Nishuli. I am the chief warden of Kahuzi Biega National Park. And it's 25 years ago since I began the work in the park. Okay. How did you first hear about the United Nations Year of the Gorilla? Yeah, for me it was a thing very, very good, because you know, if you see the story of the world, each day is dedicated for one person or one group of person. But for gorillas, United States decided to dedicate to 1 year. United Nations decided to dedicate 1 year, full years for gorillas. For me, it was a thing I can't know how to express. It was a big joy in my heart to hear that gorillas can have 1 year of for him. So I think it's like a lesson what the National Union want to show to people, that we have to learn something to gorillas. If you see things like how gorillas is living in the forest, people must learn that kind of living and try to make many efforts to protect them. So some people might be surprised that a man who is living in a country where there's a war, where militias are still raping women, killing people, doing horrible things, why do a few gorillas matter? Yeah, it's like this, because people have somebody who can protect them, but gorillas don't have somebody who can protect it. So we decided to be the protectors of gorillas. It's why we are there. Even if we can be, we can have war or other problems, but we have to do something for protecting gorillas. So what is your hope for the outcome of the Year of the Gorilla? What do you think it should achieve? Okay, my help is that to be here every morning, to send guards in the forest to monitor and to see them even every morning. And another thing I can do is to ask for all the world to make idea together, even means like financial means, to see if we can together protect the gorillas. Thank you. Thank you too. Would you like to say a brief summary of that in French? Yes. Because we can put that up as well. Yes. Oui, je m'appelle. Ouais, ouais. Je m'appelle Radha Nishuli. Je suis le conservateur chef du parc national de Kahuzi Biega. Ça fait 25 ans que j'ai dédié ma vie à la protection de ce gorille. Et aujourd'hui, nous devons faire tout pour essayer de protéger. Quand bien même il peut y avoir la guerre, il peut y avoir tout ce qu'il y a comme problème tout autour, nous sommes obligés de protéger ces gorilles, puisque au moins les hommes ont des protecteurs, mais les animaux dans la forêt n'ont pas de protecteurs. Donc il n'y a que nous qui pouvons encore protéger ces gorilles. Ce qui a encore été très intéressant pour nous, c'est de voir que l'année 2009 a été dédiée l'année internationale des gorilles par les Nations Unies. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Puisque dans l'histoire du monde, on dédie une journée aux femmes violées, une journée à je ne sais quoi. Mais pour les gorilles, on a donné toute une année. C'est pour essayer de montrer aux hommes que les gorilles ont besoin, a droit à la vie, comme l'homme aussi. Et ça, ça a été un grand plaisir pour moi. Et vos... Qu'est-ce que vous souhaitez, ouais, ouais, le résultat de cette année? Ouais, ouais. Les résultats de cette année par rapport à la protection des gorilles, c'est que j'aimerais que le monde entier s'implique dans la protection des gorilles. C'est une sous-espèce qu'on ne retrouve nulle part au monde, sauf à l'est du Congo. Et donc, si nous les perdons maintenant, nous allons perdre une espèce dans le monde. J'aimerais que le monde entier mette les efforts ensemble, mette les moyens ensemble et même la réflexion ensemble pour voir si on peut protéger ce parc et ses habitants qui sont les gorilles de plaines orientales.